bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la suite de la solution de Fahrenheit. Oui, mais j'en fais pas mal les vidéos hein, sur Fahrenheit, vous l'avez remarqué. Et on s'est arrêté la dernière fois avec nos amis là. Oui, nos amis là, vous les voyez pas? Ok, j'arrête. On s'est arrêté la dernière fois avec notre ami Carla et Tyler et on va continuer avec eux. Donc là, on continue. Normalement, là, on devrait avoir un choix. Comme précédemment. Rappelez le choix où on avait... Voilà, on pouvait choisir parmi les différents trucs. Donc 27 janvier, 3h. Ouais, 3h. Du mat. Ou de l'après-midi, plutôt. Je sais pas. Bon, là on a le choix entre Lucas, Carla et Tyler. Mais on va prendre nos deux là. Je fais dans l'ordre logique vu qu'on les avait fait dans la précédente mission. Donc je préfère faire dans la logique. Hein. Continuer avec eux. Donc là, on va d'abord faire avec Carla, puis ensuite on fera avec Tyler dans la prochaine vidéo. Oui, j'ai dit une vidéo par mission. Donc si la mission fait 2 minutes, pas grave. Ouais, je pense pas qu'elle fera 2 minutes. Ouais, c'est 3 heures de l'après-midi. Donc là, il y a des gistes. Bon, nous allons pouvoir commencer. Si vous voulez, vous pouvez attendre dehors. Je préfère rester si ça ne vous dérange pas. J'ai fait des études de médecine. J'ai déjà vu des autopsies. Ah. Comme vous voudrez. Pas d'hématome apparent sur le corps. Deux ongles cassés à la main droite. Hématome important sur l'arrière du crâne. Fracture de l'os occipital. C'est brisé le crâne entièrement. Dilatation anormale des... deux pupilles. Pourquoi a-t-il les pupilles dilatées? Qu'a-t-il vu avant de mourir? Trois blessures par arme blanche entre les troisième et cinquième côtes à proximité du cœur. La lame s'est profondément enfoncée. Les coups semblent avoir été portés de face et de gauche à droite. L'un des coups a tranché net là-haut. Les deux autres ont sectionné les coronaires gauche et droite. Il n'a vraiment pas eu de chance. La lame est passée juste entre les côtes pour trancher les artères. La mort. Il est mort sur le coup? Non, ça a dû être assez long. Probablement 2 à 3 minutes au moins. Le temps que le cerveau cesse de fonctionner à cause du manque d'oxygène. Le meurtrier. Le meurtrier aurait pu avoir des connaissances en anatomie? C'est possible, mais je doute que quelqu'un connaissant l'anatomie humaine puisse faire une chose pareille. Il faudrait vraiment être dérangé pour tuer d'une manière aussi lente et douloureuse. J'ai déjà vu un cas comme celui-là avant. C'était il y a longtemps, dans les années 90, je crois. Exactement pareil. 3 coups de couteau en plein cœur, chacun ayant tranché une artère. Ça m'avait vraiment frappé. Il faut que je me demandais comment une telle chose était possible. C'était l'affaire, comment s'appelait-il déjà? Kirsten, un truc comme ça. Kirsten? Oui, c'est ça, Kirsten. Vous connaissez cette affaire? Pas encore, mais je ne vais pas tarder à la connaître. Disait dément, elle arrête pas de revenir l'affaire Kirsten. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Oui, déjà. Oui, je vous ai dit, même si elle fait 4 minutes, je m'en fous. Comme ça, personne pourra se plaindre que mes vidéos sont longues pour cette solution. Allez, bah, les gens. Ah, ça alterne, hein. Il y a des missions à 4 minutes et d'autres qui me prendront de 40. Le triple.